C'est un grand moment, évidemment, pour les joueurs, pour tout un pays. C'est l'heure de leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite en direct du Lusail Stadium. C'est le duel que tout le monde attend. Bienvenue au Lusail Stadium. Dans quelques secondes, la rencontre va pouvoir commencer. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. C'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour ces deux pays avec ce premier match de poule. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. On aime toutes les compétitions, mais un match de Coupe du Monde, c'est toujours différent. C'est ton pays, ton hymne, ton drapeau. Voici les titulaires pour l'Argentine. Dans le but, on retrouve Emiliano Martinez, Cristiano Romero avec Nicolas Otamendi en défense centrale. Léo Messi sera avec Angel Di Maria sur les côtés. Et seul en pointe, Lautaro Martinez. Alors, voilà la composition officielle de cette équipe. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce match de groupe de la Coupe du Monde. À la réception, Lautaro Martinez. La progression de la part des Argentins. Oh, bombasso, golasso, pepinasso, absolument dingue. Ce but et cette frappe. C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Oh oui, le but du break, nouvelle action, nouveau but, mais quel réalisme! Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui, ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quel zapatazo! Nahuel Molina. Messi la frappe, tentative placée, ça frôle le montant. Le tir, et oui, c'est le but, c'est au fond, cette réalisation pour continuer à y croire et pour vivre encore dans ce match. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Allez, c'est reparti la deuxième mi-temps dans cette rencontre de phase de groupe de Coupe du Monde. Et la passe dans le dos de la défense. Léo Messi. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme!
la contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et ça joue vers Lautaro. Et c'est une frappe. Oh, la parade du gardien. Le coup de sifflet final, donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité.